The Orlando Magic selection. Yo, if you got guns, then bring them. Got the pain and I'm gonna sing them. Reign supreme and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 31e épisode des NBA Stories. Dans le numéro précédent, nous vous avions proposé avec notre partenaire RookieRepublic.fr un jeu concours pour tenter de remporter un maillot des Pistons au nom d'Azaïa Thomas. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à participer et à donner la bonne réponse, qui était 1981. Il est maintenant temps de tirer au sort le vainqueur. Félicitations! Merci de contacter cette adresse email pour obtenir le maillot. Nous réservons également une surprise pour les non-gagnants, puisque RookieRepublic.fr vous offre ce code promotionnel pour obtenir 10% de réduction sur toute la boutique. Profitez-en pour vous faire plaisir ou combler vos proches pour Noël. Dans le 29e épisode des NBA Stories, nous avions exploré l'incroyable carrière de Dwayne Wade. Aujourd'hui, c'est une autre légende fraîchement retraitée que nous allons découvrir ensemble, Dirk Nowitzki. Considéré comme l'un des plus grands joueurs offensifs ayant évolué en NBA, l'Allemand a marqué son époque, de par ses performances et la fidélité sans faille qu'il voit à sa franchise de toujours, les Mavericks de Dallas. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et plongez avec nous à la découverte de Dirk Nowitzki, un géant aux mains de velours. Contrairement à nos habitudes, il nous faut nous éloigner des États-Unis pour débuter notre récit. Aujourd'hui, c'est dans la ville allemande de Würzburg que nous faisons escale. Centre universitaire et culturel important de Bavière, cette cité fut presque entièrement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, avant de connaître une véritable renaissance à partir des années 60. En 1978, l'Allemagne était encore à une décennie de sa réunification, mais sa fraction ouest connaissait alors une période de grande prospérité et d'optimisme parmi ses habitants. Pour Jörg et Helga Nowitzki, le bonheur rimait avec la naissance de leur deuxième enfant, un garçon prénommé Dirk, qui naquit le 19 juin 1978. Le sport était inscrit dans les gènes des Nowitzki. Helga fut une joueuse professionnelle de basketball, tandis que Jörg représenta la sélection nationale allemande de handball. La grande sœur de Dirk, Silke, fut également sacrée championne de course à pied et devint par la suite joueuse de basketball. Garçon introverti, c'est naturellement dans le sport que Dirk trouva son refuge. Il pratiqua d'abord avec assiduité le tennis et le handball, dont son père était passionné. Complexé par sa très grande taille, qui attira les railleries de ses camarades de classe, Dirk prit la décision de s'essayer au basketball sur les conseils de sa grande sœur, dont il était très proche. C'est avec réticence qu'il se tourna vers la balle orange, lui qui ne montrait aucune attirance particulière pour le basketball, un sport qu'il ne trouvait pas assez physique à son goût. Je n'étais pas un grand fan du basketball. Je pensais que les vrais boys, nous jouons au handball, où c'est tough, vous pouvez foul, vous pouvez hold, vous pouvez trip somebody. Dirk Nowitzki montra toutefois rapidement des qualités certaines pour le basketball, dont il se prit de passion jeune adolescent. Pour la première fois de sa vie, sa taille n'était pas un fardeau, mais un avantage. Les parents Nowitzki étant eux-mêmes issus d'une tradition sportive, ils dévouèrent une grande partie de leur temps pour soutenir et motiver leur fils dans sa nouvelle passion. Quit every sport and I want to start bowling. They would have driven me to bowling practice. I mean, that's the kind of parents they were. They supported me whatever decision. À l'âge de 15 ans, Dirk rejoignit le club de basketball local du DJK Würzburg. Ses prestations tapèrent dans l'œil d'Holger Geschwinder, un ancien joueur de l'équipe nationale allemande qui avait appris les rudiments de ce sport au contact de l'armée américaine stationnée en Allemagne. Convaincu par le potentiel du jeune Nowitzki, il proposa à ses parents de veiller sur son apprentissage du basketball dans le cadre de leçons privées. Malgré l'immense taille de Dirk, qui l'amena naturellement au poste d'intérieur, Geschwinder prit la décision de lui transmettre une formation approfondie du tir et de passe, des attributs peu communs à cette position. Joueur vedette de son lycée, ses prestations n'attiraient pas les foules à cette époque. Dans un pays sans réelle tradition de basketball, un sport peu populaire en Allemagne, le gymnase de son lycée ne contenait même pas de siège pour les spectateurs. Les paillettes de la NBA étaient encore très loin pour Dirk Nowitzki, qui avait cependant trouvé en Holger Geschwinder un mentor qui fut précieux dans son ascension au sommet. Une année après leur rencontre, Geschwinder vint voir son nouveau protégé en lui disant « Tu dois maintenant décider si tu veux jouer contre les meilleurs au monde ou simplement rester une vedette locale en Allemagne. Si tu choisis la deuxième alternative,
nous arrêterons immédiatement l'entraînement, car tu as déjà un niveau suffisant. Mais si tu veux jouer contre les meilleurs basketteurs du monde, nous devons nous entraîner tous les jours sans exception. » Sachant les sacrifices que cela impliquait, Nowitzki fit mûrir sa décision pendant 2 jours, avant de donner son accord pour démarrer un entraînement intensif quotidien. Désormais, Dirk n'avait plus aucune autre ambition que de devenir basketteur professionnel. En 1994, à l'âge de 16 ans, Dirk Nowitzki fut promu dans l'équipe première du DJK Würzburg, qui jouait alors en seconde division allemande. Impressionné par ses qualités au tir, son entraîneur décida de le positionner au poste d'ailier fort au lieu de celui de pivot, qui s'imposait pourtant grâce à sa grande envergure. Étant accaparé par ses études, la première saison de Nowitzki sous les couleurs du DJK Würzburg fut plutôt décevante, l'équipe concluant l'année avec seulement 6 victoires. C'est à partir de sa seconde saison professionnelle qu'il gagna une place de titulaire et démontra une nette évolution en scoring, finissant régulièrement ses matchs avec plus de 10 points inscrits. Ses performances attirèrent l'attention de Dirk Boyermann, l'entraîneur de l'équipe nationale allemande. Lorsqu'il vit Nowitzki inscrire 24 points lors d'un match de championnat, il fit le pari que Dirk sera le plus grand joueur allemand de sa génération. En 1997, pour sa troisième saison sous les couleurs de sa ville natale, Nowitzki, qui avait atteint la taille de 2m11, compila 19 points de moyenne pour mener son équipe jusqu'à la deuxième place de sa division. L'année suivante, il obtint son baccalauréat et conclut son service militaire pour enfin pouvoir se consacrer pleinement au basketball. À l'âge de 18 ans, ses statistiques évoluèrent encore, puisqu'il inscrivit 28,2 points de moyenne par match, ce qui offrit à son équipe une promotion en première division. Ses performances lui permirent d'obtenir la récompense de basketteur allemand de l'année. Le potentiel de Dirk Nowitzki ne passa pas inaperçu outre-Atlantique, et c'est lors d'un événement organisé par Nike qu'il gagna son ticket vers la NBA. En effet, Nowitzki et d'autres jeunes joueurs européens étaient invités à se mesurer à des ténors de la NBA, comme Charles Barkley ou Scottie Pippen. En 30 minutes sur les parquets, Nowitzki domina littéralement Barkley, se permettant même de lui dunker dessus. Ahuri par les performances de l'Allemand, Charles Barkley s'exclama en disant « Ce garçon est un génie. S'il veut rejoindre la NBA, il peut me passer un coup de fil. » Séduit par sa prestation, la marque à la virgule convient Nowitzki pour le Nike Hoop Summit, l'un des plus grands événements de jeunes talents du basketball aux États-Unis, lors duquel il inscrivit 33 points en marquant 6 de ses 12 tirs, additionné à 14 rebonds et 3 interceptions. Son adresse au tir, sa rapidité et son énergie ne passèrent pas inaperçus, et il se vit désormais séduit par des clubs européens aussi bien que des franchises NBA. Il était enfin temps pour Dirk Nowitzki de démarrer son aventure américaine. Alors qu'il avait reçu une multitude de propositions pour rejoindre des programmes universitaires américains, Nowitzki prit la décision d'inscrire directement son nom à la draft de 1998 de la NBA, sans passer par la case NCAA. Had been in my house, you know, here and watched at that night, you know, when the draft was and David Stern announced. With the 9th pick in the 1998 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. C'est finalement la 9e position que fut choisi Dirk Nowitzki par les Milwaukee Bucks. Il fut ensuite rapidement transféré vers les Mavericks de Dallas. Une intersaison qui vit également le jeune meneur Steve Nash rejoindre le Texas. Les deux compères créèrent rapidement des liens d'amitié forts et étaient vus comme un symbole de la reconstruction à venir pour la franchise de Dallas. Encore hésitant à faire le grand saut vers la Ligue américaine, les Mavericks durent convaincre Nowitzki d'épouser leur projet, avant que celui-ci accepte finalement de rejoindre leur rang. Ich habe mich dann überzeugt, auch die Coaches haben mir nochmal zugeredet und dann habe ich letztendlich gesagt, ich komme. Ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, aber ich habe mündlich zugesagt. I feel very uncomfortable if he would go back to Germany without making a commitment. Nowitzki fut alors le 4e joueur allemand à rejoindre la NBA et le second en tête d'affiche depuis Detlef Schrempf, qui avait également porté les couleurs de Dallas et qui était âgé de 35 ans lorsque son jeune compatriote fut drafté. Les Mavericks étaient dans une situation difficile en cette fin des années 90.
L'équipe n'avait plus participé aux playoffs depuis près d'une décennie et avait conclu l'exercice précédent à une triste 10e place de la conférence Ouest. Les débuts de Nowitzki dans la Grande Ligue ne furent pas de tout repos. Sa saison rookie fut minée par le lockout qui sévissait en NBA. Le championnat étant en suspens, il retourna en Allemagne le temps de 13 matchs avant que la compétition ne reprenne ses droits. Lorsque ce fut le cas, Dirk Nowitzki découvrit rapidement l'écart abyssal de niveau entre le championnat allemand et la NBA. Positionné comme ailier fort par son entraîneur Don Nelson, Nowitzki se fit remarquer par sa maladresse au tir et sa défense médiocre. Il se vit gagner par les supporters de Dallas le sobriquet de Irk Nowitzki, omettant le D du mot défense de son prénom. Concluant sa saison rookie avec seulement 8 points de moyenne par match, le jeune Allemand était submergé par la pression qu'impliquait sa 9e position de draft. The different style of basketball over here. It's, the pace is much higher under the basket. It's almost like wrestling. It's really everybody grabs you and pushes you, so it's a big thing, and I'm still not used to it. Il s'exprima plus tard sur cet épisode en ces mots. J'étais tellement frustré que j'ai pensé à retourner en Allemagne. Le saut entre la seconde division allemande et la NBA était comme sauter d'un avion en espérant que le parachute s'ouvre. La révolution espérée n'aura pas lieu pour Dallas, qui conclut cette saison avec seulement 19 victoires, synonyme d'une 11e place de la conférence Ouest. Le rachat des Mavericks par l'homme d'affaires Mark Cuban fut un élément déclencheur de l'ascension de Nowitzki en NBA. Issu d'un milieu d'entrepreneurs, il modernisa à grande vitesse l'organisation et les infrastructures de l'équipe. Sous son mandat, les revenus de la franchise augmentèrent ainsi de près de 100 millions de dollars. Peu conformiste, Cuban a toujours été attiré par l'école de basketball européenne. Conscient de la différence énorme de culture entre l'Allemagne et les États-Unis, Don Nelson et Mark Cuban prirent la judicieuse décision d'être patients dans l'adaptation de Nowitzki en NBA. Cela porta rapidement ses fruits, car l'Allemand se montra sous un bien meilleur jour pour sa seconde saison dans la Grande Ligue. Ses statistiques étaient désormais très correctes, 17,5 points, 6,5 rebonds et 2,5 passes décisives par match. Son adresse au tir exceptionnelle pour un joueur d'une si grande taille lui permit d'être sélectionné pour participer au concours de tir à 3 points du All-Star Weekend, ce qui fit de lui le plus grand joueur de l'histoire à se joindre à cet événement. Malgré une nette amélioration de ses performances, les Mavericks étaient incapables de redresser la barre, eux qui conclurent la saison 2000 avec un bilan négatif. Le troisième exercice de Nowitzki en NBA fut synonyme de son éclosion. Avec 21,8 points et 9,2 rebonds de moyenne par match, Dirk Nowitzki fut le premier joueur de l'histoire de Dallas à être introduit dans une équipe All-NBA. Il forma un triangle offensif détonnant, aux côtés de Steve Nash et Michael Finley, qui permirent à l'équipe de Dallas de conclure la saison régulière à la 5e place de la conférence Ouest. Pour la première fois depuis une décennie, les Mavericks participaient enfin en playoff. Leur premier adversaire portait le nom de Utah Jazz, mené par les vétérans John Stockton et Karl Malone. Bien plus frais, Dallas remporta les débats en 5 rencontres pour se hisser jusqu'en demi-finale de conférence Ouest face à leur rival texan des San Antonio Spurs. Cette marche était bien trop haute pour la jeune garde des Mavs qui s'inclinèrent lors des 3 premières rencontres de la série. Malade, Nowitzki passa à côté du début de ce duel avant de revenir en grande forme pour une victoire au match 4 où il inscrivit 42 points. Lors de la rencontre suivante, l'Allemand attrapa 18 rebonds, mais ne put éviter la défaite des siens, 87 à 105. Si les Mavericks s'étaient fait éliminer en playoff, leurs prestations avaient tout de même mis en lumière l'avenir radieux qui se présentait à eux. Confiant, Dallas offrit un contrat de 6 ans à 90 millions de dollars à Nowitzki, ce qui fit de lui le sportif allemand le mieux rémunéré du monde, derrière le pilote Michael Schumacher. Pas prêt de se reposer sur ses acquis, il augmenta encore son bilan statistique, à 23,4 points et 9,9 rebonds de moyenne par match. 4 ans après son arrivée en NBA, il fut choisi pour concourir à son premier All-Star Game.
Une effervescence nouvelle se développa autour de la franchise de Dallas, qui vit son enceinte régulièrement comble. Finissant la saison 2002 à la 4ème place de la conférence Ouest, les Mavericks sweepèrent les Timberwolves de Kevin Garnett au premier tour des playoffs. Cela fut possible par les 33,3 points de moyenne par match que Nowitzki inscrivit lors de ce duel. Leur opposant suivant, les Sacramento Kings, était au sommet de leur art, mais Dallas montra une résistance bien plus coriace qu'attendue en remportant la deuxième rencontre dans l'antre des Kings pour égaliser la série. Pour reprendre en main le duel, Rick Adelman, l'entraîneur de Sacramento, prit la décision d'assigner Edo Turkoglu à la défense sur Nowitzki. Cette stratégie donna du fil à retordre aux joueurs allemands, qui subissaient en permanence les prises à deux de Turkoglu et Chris Webber. Cette tactique sera fatale pour Dirk Nowitzki, qui n'inscrivit que 19 points lors du match 3. Il s'exprima plus tard en disant « Je ne pouvais tout simplement pas me défaire de Turkoglu, et si je réussissais, j'allais au devant de Chris Webber et je perdais trop souvent la balle. » Mal à l'aise, Nowitzki manqua deux paniers cruciaux dans une défaite des siens en match 4. Quelques jours plus tard, les Mavericks se firent éliminer des playoffs en perdant le match 5 de près de 15 points d'écart. Pour franchir un palier supplémentaire, Don Nelson et Mark Cuban décidèrent de mettre davantage l'accent sur la défense, assurément le point faible de l'équipe et de Nowitzki en particulier. Les Mavericks gagnèrent les 11 premiers matchs de la saison 2003 et le trio Finley-Nash-Nowitzki fut choisi comme joueur du mois de la conférence Ouest. Lors de cette saison, Dirk Nowitzki vit sa progression se poursuivre en compilant 25,1 points, 9,9 rebonds et 3 passes décisives par match. Ses performances permirent à l'équipe de Dallas d'obtenir le meilleur bilan de son histoire, 60 victoires pour seulement 22 défaites. Finissant la saison à la 3ème place de la conférence Ouest, les Mavs se retrouvèrent face à Portland pour le premier tour des playoffs 2003. Cette année-là vit un changement dans l'organisation des premiers tours de séries éliminatoires, qui se jouaient désormais en 4 victoires gagnantes au lieu de 3. Sûrs d'eux-mêmes, les Texans surpassèrent leur adversaire en remportant les 3 premières rencontres de la série. Tout près de conclure ce duel, Nowitzki et ses coéquipiers perdirent totalement leurs moyens et furent vaincus lors des 3 rencontres suivantes. Lors du match 7, aux allures de finale, Nowitzki inscrivit un panier à 3 points décisifs pour permettre à son équipe de prendre 6 points d'avance à 1 minute de la fin du match que Dallas remporta. Plus tard, il s'exprima en disant « Ce fut le panier le plus important de ma carrière. Je n'étais pas prêt à partir en vacances si tôt. » Comme l'année précédente, les Mavericks rencontrèrent les Sacramento Kings lors d'une série qui s'étendit jusqu'à un match 7 décisif. Dirk Nowitzki proposa un incroyable récital de basketball qu'il conclut par 30 points et 19 rebonds, mais aussi une très bonne défense, pourtant son point faible. Cette performance permit à Dallas de remporter le match 112 à 99 pour se hisser jusqu'en finale de conférence Ouest contre le voisin texan des San Antonio Spurs. Malheureusement, Dirk Nowitzki se blessa sérieusement lors du match 3, suite à une collision avec Manu Ginobili. Sans leur joueur vedette, Dallas ne put se défaire du collectif bien huilé des Spurs et perdit finalement la série en 6 matchs. Bien que l'épilogue fût morose, cette saison 2003 avait désormais placé Dirk Nowitzki comme le franchise player de l'équipe texane. Suite à l'acquisition de l'ailier fort Antoine Walker, l'entraîneur des Mavs, Don Nelson, décida de repositionner Nowitzki au poste de pivot. Pour endosser ce nouveau rôle plus physique, l'Allemand s'entraîna de façon intensive à la musculation durant l'été, sacrifiant son agilité pour davantage de puissance. Désormais bien plus concerné par la défense, ses statistiques diminuèrent pour la première fois de sa carrière, passant de 25 à 21,8 points de moyenne par match. Il n'en resta pas moins le meilleur marqueur et rebondeur de la franchise de Dallas. Terminant la saison 2004 avec 52 victoires pour 30 défaites, les Mavericks retrouvèrent leur ennemi de Sacramento en playoff. Les Kings ne firent pas dans la dentelle et remportèrent les ébats en 5 petites rencontres. À l'orée de la saison 2005, Mark Cuban décida de modifier le visage de sa franchise, qui n'arrivait pas à passer un palier supplémentaire
pour se positionner comme favori au titre final. Aux yeux de certains observateurs, Dirk Nowitzki n'avait pas les épaules assez larges pour porter son équipe vers les sommets. L'avenir leur prouva le contraire. Pour remodeler l'équipe, le front office de Dallas décida de recruter le pivot Eric Dampier, en provenance des Warriors. Une bonne nouvelle pour Nowitzki, qui pouvait enfin retrouver son poste de prédilection, dans un rôle d'ailier fort. Le meneur Steve Nash, dont Dirk Nowitzki était très proche, prit la décision de ne pas continuer l'aventure avec Dallas, en s'engageant en tant que free agent avec les Phoenix Suns. En Arizona, il vécut une véritable éclosion, symbolisée par deux titres de MVP. Don Nelson, l'entraîneur de Nowitzki depuis son arrivée en NBA, décida également de quitter le navire, pour laisser sa casquette d'entraîneur à son assistant, Avery Johnson. Ces changements furent bénéfiques pour Dirk Nowitzki, qui augmenta sa moyenne de points à 26,1 lors de la saison 2004-2005. Le 2 décembre, il inscrivit 53 points lors d'une victoire contre les Houston Rockets, son record en carrière. Harris able to save it. Nowitzki, yes. Nowitzki eluding Howard and score. En récompense de ses efforts, il fut choisi dans la All-NBA First Team pour la première fois et se plaça en troisième position dans la course au MVP après Steve Nash et Shaquille O'Neal. Gotta be kidding me. 53 points for Dirk Nowitzki. Presque aussi grand que le Shaq, Nowitzki avait toutefois un style de jeu totalement différent des big men de la ligue. Cela était dû à son éducation européenne du basketball, mais aussi au style prôné par Don Nelson. Un entraîneur en avance avec son temps, qui fut l'un des premiers à s'affranchir de la norme imposée aux joueurs de grande taille. Non, Nowitzki n'était pas un monstre de foire, présent pour écraser sommairement les adversaires du haut de ses 2m13. Tireur exceptionnel pour un joueur de son gabarit, il compilait des statistiques remarquables, avec 88% de réussite au lancer franc, 50% au tir à 2 points et presque 40% à longue distance. Grâce à sa hauteur, il était très difficile pour les adversaires de contester ses tirs. Avec une palette offensive riche en couleurs, la nuance favorite de Dirk Nowitzki portait le nom de fadeaway. Ce geste consiste à tirer au panier lors d'un saut vers l'arrière. Un régal aux yeux des fans, mais un véritable calvaire pour les défenseurs. LeBron James dira que le fadeaway de Dirk Nowitzki était l'un des gestes les plus inarrêtables de l'histoire, au même titre que le fameux skyhook de Kareem Abdul-Jabbar. Malgré une nette évolution personnelle pour Nowitzki, les Mavericks se confrontaient toujours à un plafond de verre en playoff, eux qui se virent éliminés en demi-finale par les Phoenix Suns de leur ancien coéquipier Steve Nash. Vaincu en 6 matchs, Nowitzki ne se montra pas sous son meilleur jour lors de cette série, lui qui manqua ses 5 tirs en prolongation du match 6. Quelques mois après cette désillusion, il se reprit en main en réussissant à placer l'équipe d'Allemagne, pourtant loin d'être favorite, jusqu'en finale de l'Euro 2005, qu'elle perdit toutefois face à la Grèce. De retour en NBA, l'Allemand était désormais le dernier rescapé du Big Three original de Dallas, suite au départ de Michael Finley. Tête d'affiche incontestée de l'équipe, Nowitzki augmenta encore son adresse au tir, pour conclure la saison 2006, avec une moyenne de 26,6 points par match. Impensable pour un joueur de son gabarit, Nowitzki fut choisi pour participer au concours à 3 points du All-Star Weekend, avec un principal adversaire, Gilbert Arenas et Ray Allen. Il inscrivit 18 points lors de cet exercice, qu'il remporta haut la main. Mais si les performances individuelles de Nowitzki furent irréprochables, le joueur n'avait toujours pas rencontré les sommets avec son équipe de Dallas, qu'il porta vers 60 victoires lors de la saison 2005-2006, le troisième meilleur bilan de la ligue. Il débuta sa croisade contre les Memphis Grizzlies, que Dallas élimina sans difficulté sur le score de 4 matchs à 0. Cela fut notamment possible par un panier à 3 points de Nowitzki dans les toutes dernières secondes du match 3. Le Texas était en ébullition lorsque Dallas retrouva encore une fois les San Antonio Spurs en demi-finale de conférence Ouest. La série commença par 3 victoires de chacune des équipes. Lors du match 7 décisif, les Mavericks étaient surmotivés et obtinrent jusqu'à 20 points d'avance. Pas encore abattus, les Spurs réussirent à revenir dans la partie
grâce à un panier crucial de Manu Ginobili à 3 minutes de la fin du match. Lors de l'action suivante, Nowitzki répondit à son rival, en réussissant à son tour une action à 3 points pour permettre à son équipe de reprendre les devants et de finalement s'imposer 119 à 111. Époustouflant, l'Allemand compila 37 points et 15 rebonds lors de ce match. Les Phoenix Suns de Steve Nash se tenaient sur le passage des Mavs en finale de conférence. Les deux équipes ne purent se départager en cumulant victoires et défaites jusqu'au match 5. Nowitzki, en mission pour participer au final NBA, inscrivit un total ahurissant de 50 points pour prendre le devant de la série, que Dallas remporta finalement sur le score de 4 matchs à 2. À l'issue de ce duel, l'Allemand s'exprima aux médias en ces mots. Nous avons été une bonne équipe toute cette saison. Nous croyons en nous. Nous avons vécu des hauts et des bas, mais c'est durant ces playoffs que nous jouons ensemble de tout notre cœur. Après les célébrations, il fallait désormais rapidement retrouver ses esprits pour Dallas, qui devait faire face à un obstacle de poids en finale NBA, les Miami Heat de Dwayne Wade et Shaquille O'Neal. Les Mavs entamèrent les hostilités de la meilleure des manières, en remportant les deux premières rencontres de la série. Le troisième match en Floride fut un tournant dans ces finales. Dallas perdit la rencontre malgré une avance de 15 points. En manque de confiance, la productivité de Nowitzki chuta drastiquement, lui qui inscrivit seulement 20 de ses 55 tirs lors des prochaines rencontres de ses finales NBA, que le Heat remporta sur le score de 4 matchs à 2. Les piètres performances de l'Allemand lors de la seconde partie de ces finales furent pointées du doigt par les observateurs américains, dont certains remirent même en question son statut de franchise player. À la fin du match, il s'exprima en disant « La défaite du match 3 était très difficile à avaler, et cela a changé tout le cours de la série. Nous n'étions plus en confiance, et Miami joua bien mieux après ce match. » Nouveau champion, le prodige de Miami, Dwayne Wade, se prononça pour sa part en déclarant « Dallas est une super équipe, ils reviendront, j'en suis sûr et certain. » Dirk Nowitzki compila 24,6 points de moyenne pour porter son équipe à 67 victoires lors de la saison 2006-2007. L'équipe de Nowitzki était grande favorite face aux Golden State Warriors, leur adversaire au premier tour des finales 2007. Malheureusement, les Mavs perdirent encore une fois leurs moyens et s'inclineront en seulement 6 matchs. Une défaite historique, puisqu'il s'agissait de la première fois qu'une équipe classée 8ème de la saison régulière s'imposait face à une équipe première. Nowitzki admit son manque de mordant lors de cette série, en affirmant « Je suis passé à côté de ces matchs, j'en suis très déçu ». Malgré cette désillusion, il retrouva le sourire quelques semaines plus tard, en obtenant le trophée de MVP de saison régulière face à Steve Nash. Cela fait de lui le premier joueur européen de l'histoire à recevoir cette récompense. What he does in the court, everybody gets to see. What he does in interviews, everybody gets to see, but not everybody gets to see him off the court. And how hard he works. And you know, Dirk winning this award isn't a testimony to the NBA, it isn't a testimony to our season. We're proud of both and we're proud of what we've done as a team, but it's a testimony to his hard work. Dallas fit venir le vétéran Jason Kidd à l'aube de la saison 2008, qu'il finira à la 7ème place d'une conférence Ouest chargée en talent. Le 8 mars 2008, Nowitzki inscrivit 34 points face aux Nets pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Mavericks en compilant un total de 16 644 points. Mais encore une fois, Dallas fut incapable de poursuivre l'aventure en playoff, puisqu'ils furent éliminés en 5 petits matchs face aux Hornets de la Nouvelle-Orléans, portés par le meneur Chris Paul.
Les Mavericks finirent la saison suivante à la 6ème place de la conférence Ouest. En playoff, l'Allemand porta son équipe pour éliminer leur rival de San Antonio en 5 petites rencontres. Toutefois, la mélodie se répéta lorsque les Mavericks perdirent totalement leurs moyens en se faisant éliminer en 5 matchs face aux Denver Nuggets. Malgré les 34 points de Nowitzki dans ce duel, Dallas n'était toujours pas capable d'asseoir sa domination pour prétendre à la victoire finale. Avec optimisme, l'équipe de Mark Cuban fit venir Sean Marion et Caron Butler pour dynamiser ses troupes. Concluant la saison 2010 avec 25 points de moyenne, Nowitzki fut le premier joueur européen à franchir la barre des 20 000 points inscrits en carrière. En grande forme lors de la saison régulière, c'est face à San Antonio que Dallas se fit éliminer au premier tour des playoffs. Une déception supplémentaire pour les Mavericks, qui étaient désormais à un carrefour de leur histoire. Nowitzki étant agent libre, il fallait désormais faire de bons choix, en poursuivant l'aventure ou repartir à zéro. L'intersaison 2010-2011 commença de manière heureuse pour l'Allemand, qui fit la rencontre de Jessica Olsson lors d'un événement de charité. Les deux tourtereaux se marièrent 2 ans plus tard et accueillirent la naissance de leur premier enfant peu après. Mais Dirk Nowitzki n'avait pas pour autant oublié les Mavericks, son autre amour à qui il jura fidélité en prolongeant son contrat dans le Texas de 4 années supplémentaires à l'aube de la saison 2010-2011. Le pivot Tyson Chandler était l'ajout principal dans l'effectif de Dallas, qui se présentait avec sensiblement le même 5 de départ cette année-là. Malgré une blessure qui lui fit manquer une dizaine de matchs, Nowitzki conclut tout de même la saison en compilant 23 points et 7 rebonds de moyenne, tout en glanant une 10ème sélection au All-Star Game. Finissant 3ème de la conférence Ouest, Dallas n'était pas favori à la victoire finale, mais comptait dans ses rangs de nombreux vétérans de la NBA, qui jouèrent avec tout leur cœur pour glaner leur première bague. Les Mavs débutèrent leur campagne de play-off en éliminant sereinement Portland sur le score de 4 matchs à 2. Ce fut ensuite les Los Angeles Lakers de Phil Jackson qui se présentèrent sur leur passage. Le double champion en titre californien se fit littéralement submerger par Dallas qui gagna les 4 rencontres de cette série. Cela fut notamment possible par les performances de Howell de Nowitzki qui compila 25 points de moyenne lors de ce duel. Cette fois-ci, les Mavericks n'avaient pas à se défaire de l'ogre de San Antonio en finale de conférence. Leur adversaire était toutefois également empreint de la chaleur du sud des États-Unis. À 200 miles au nord de Dallas, c'était à Oklahoma City que Nowitzki devait s'imposer pour se glisser jusqu'en finale NBA. Le Thunder, qui avait quitté Seattle quelques années auparavant, faisait figure de poil à gratter dans cette conférence Ouest. Si elle n'avait pas beaucoup d'expérience, l'équipe possédait en son sein des jeunes joueurs fougueux, comme Russell Westbrook ou Kevin Durant, qui n'étaient pas prêts à se laisser impressionner. Le couteau, Dirk Nowitzki l'avait également entre les dents, lui qui inscrivit 48 points lors de la première rencontre de cette série. Malgré une défaite surprise au match 2, Dallas se reprit rapidement pour remporter ses finales de conférence Ouest à l'issue de la 5ème rencontre. Dirk Nowitzki était de retour en finale NBA face à ceux qu'il avait privés de sacre 5 ans plus tôt, le Miami Heat. Dwayne Wade était toujours présent, mais avait cette fois-ci encore davantage de soutien à ses côtés, formant un impressionnant Big Three avec LeBron James et Chris Bosh. Cette équipe, que certains considèrent comme l'une des plus talentueuses de l'histoire de la Ligue, était assurément favorite de ses finales NBA 2011. Pourtant, une large partie du public américain se tenait en faveur de Dallas, qui comptait dans ses rangs beaucoup de joueurs en fin de carrière qui n'avaient jamais goûté aux joies d'un titre de champion. Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Sean Marion, Peja Stojakovic ou Jason Terry. Autant de joueurs trentenaires qui n'avaient plus les mêmes jambes que par le passé, mais possédaient toujours un cœur énorme pour porter les Mavericks vers les sommets. En Floride,
Dallas perdit la première rencontre de ses finales, de 8 petits points. Durant ce match, Nowitzki se blessa au doigt, mais décida malgré la douleur de retourner sur les parquets pour le second match de cette série. Avec 15 points de retard au quatrième quart-temps, Dallas se dirigeait tout droit vers une deuxième défaite de rang. Une possibilité dont Nowitzki ne voulait pas entendre parler. De façon miraculeuse, Dallas revint dans la partie et l'Allemand d'inscrire un lay-up en toute fin de match pour permettre à son équipe de s'imposer de 2 minuscules points. De retour au Texas, Nowitzki inscrivit la bagatelle de 34 points lors du match 3. Néanmoins, il manqua un panier crucial en toute fin de match, qui permit à Miami de s'imposer 88 à 86. Alors qu'ils étaient tout près de creuser un écart dans ces finales, les Mavericks retournèrent dans les vestiaires avec un goût amer. Pour aggraver la situation, Nowitzki fut victime d'une terrible fièvre qui le rendit incertain pour la suite de la série. Comme Michael Jordan lors du Flu Game, Dirk Nowitzki fait partie de la case des champions au mental d'acier. Malgré la maladie, il participa au match 4 et marqua le panier victorieux en fin de match pour égaliser la série à 2 partout. You know, I've been in this league for 13 years. I never faked an injury or an illness before. But you know, that's just it happened. It's over to me. It's not going to add anything extra to me. This is the NBA Finals. If you need an extra motivation, you have a problem. In a way, from my dream, what I've been worked on for, you know, half of my life. Cette fois-ci, remporter un titre n'était pas qu'une douce chimère aux yeux de Dirk Nowitzki, qui pouvait enfin toucher du doigt son rêve de devenir champion NBA. Contre toute attente, Miami se fit submerger par l'intensité proposée par les Mavericks, qui remportèrent les deux rencontres suivantes pour remporter ses finales NBA 2011 sur le score de 4 matchs à 2. Ce titre, le premier de l'histoire des Mavericks, fait écho à des années de travail et d'acharnement que dévoua Dirk Nowitzki pour son équipe de toujours. En récompense de ses efforts, il obtint le trophée de MVP des finales pour conclure cette saison dorée. L'effectif métamorphosé par la perte d'éléments clés, Dallas ne sera pas capable de réitérer ses performances la saison suivante. Lors des playoffs, les Mavericks se firent sweeper par la jeune garde du Thunder. En 2013, Nowitzki inscrivit un fadeaway dont lui seul a le secret, pour devenir le 17ème joueur de l'histoire à inscrire un total de 25 000 points. Toutefois, pour la première fois en 12 ans, Dallas ne fut pas en mesure de se qualifier pour les playoffs. Décidé à poursuivre l'aventure malgré son âge avancé, Nowitzki signa un nouveau contrat de 3 années supplémentaires avec Dallas, le 15 juillet 2004. Il devint quelques mois plus tard le 7ème meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, avec 27 000 points en compteur. Désormais presque quarantenaire, l'Allemand n'était plus le joueur dominant qu'il était autrefois. Tel un monument que l'on ne peut détrôner, Dirk Nowitzki continua de tenir son rang sous les maillots de Dallas. Lors des 4 saisons suivantes, bien que n'obtenant aucun résultat probant, il fut toujours une lumière brillante sur les parquets, en illuminant le cœur des amateurs de basketball. Physiquement affaibli, la saison 2018-2019 fut synonyme de tournée d'adieu officieuse pour lui, qui n'annonça sa retraite qu'une fois l'année terminée. Les éloges furent nombreux dans toutes les salles qui eurent la chance d'admirer les performances de Dirk Nowitzki.
future Hall of Famer, Dirk Nowitzki. Il conclut sa carrière avec 31 419 points inscrits, ce qui le place à la 6ème place des meilleurs marqueurs de l'histoire. Un titre de champion, de MVP de saison régulière et de MVP des finales, 14 sélections All-Star Game et 12 All-NBA Team, oui, Dirk Nowitzki termina d'écrire sa légende en NBA avec une armoire à trophées bien remplie. Peu matérialiste, Nowitzki fait partie d'une catégorie d'athlètes prenant davantage de plaisir en comblant le cœur des fans que dans le sentiment des diamants. Yeah, Dirk and I have always had a great relationship because we're both extremely competitive and also both extremely loyal to our teams. I mean, I'll tell you a story about Dirk. I mean, he was up for free agency and I knew what his response was going to be, but just out of respect, I said, dude, everybody's looking around at all these free agents. I felt I'd just shoot you a text. If you want to come to LA, you know, it's, and he goes, dude, I would love to play with you, but Dallas is my home. This is my team. I'm not leaving here. Albert Camus disait que la pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Dans l'écho de son Fade Away, nul doute que la beauté du jeu de Dirk Nowitzki continuera à résonner dans nos esprits à tout jamais.